Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis allée à Action faire 2-3 courses et j'ai trouvé quelque chose, bien sûr, au rayon loisirs créatifs. Je trouve que ma caméra elle est haute aujourd'hui, mais bon. Voilà Fifi. Donc j'ai trouvé un coffret de crayons de coloriage, voilà, un coffret de coloriage, donc je n'avais pas encore vu, et donc je pense que c'est toujours les mêmes crayons à peu près qu'il y a chez Action, mais bon, j'ai dit je vais me le prendre, je vais voir ce que ça donne, et le voilà. Donc là il est encore emballé, je vais vous le déballer. Oh, voilà. Alors on va enlever le plastique. Alors il était au prix de 7,99 €, donc ça va. Alors on va enlever le plastique. Bon, je dis des fois pour faire des petits coloriages comme ça, entre deux. Alors, donc, voilà, on a les deux. Je vais l'ouvrir. Et voilà comment c'est présenté. Hop. Donc on a, vous voyez, quand on referme, voilà. Je mets droite. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça va être un coffret qui prend un peu de place. J'en dis qu'on n'y a pas. Mais bon. C'est quoi qui s'en va? Ah! Ah oui, d'accord, c'est pas collé. Ça. C'est pas collé, ça. D'accord. Je me disais, ça s'en va. Mais non, c'est pas la collé. Alors, la boîte est en bois. À l'intérieur, on a les. Alors, toutes les couleurs. Voilà. Ici. Alors, les crayons sont, c'est pas des ronds, hein. Voilà. Donc, la pointe. Bon, c'est toujours, c'est les mêmes qu'avant. Mais ici, donc, on a combien de couleurs? Je l'ai vu sur le carton. 68. On a 68 couleurs. Voilà. Donc, dans les couleurs un peu spéciales, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Bon, j'ai un gris clair, le noir. Je n'ai pas de blanc. Ah, ça, c'est un argenté, peut-être. Non, c'est un gris. Donc, voilà, donc, je vous remonte avec la lampe, ça, voilà ce que ça vous fait, un petit coffret donc avec les 68 couleurs. Donc bon, pour 7 €, 7 €, bon, on va dire 8, hein, 7,99 €. Alors, je vais enlever les racks. Ah oui, il y avait un point de colle pour tenir le rack, mais le point de colle, il a été fait au pistolet à colle et on voit que ça ne tient pas. Voyez? Donc les racks sont faits. C'est du plastique transparent. Donc il y en a un aussi donc, en dessous. Ça, je ne vais pas l'enlever. Donc voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, je ferai des coloriages avec pour les essayer, mais je pense que ce sera toujours
La qualité est toujours la même. Hein. Là, ce sont les Artist Quality. Les Craft Sensation. Hein, vous voyez. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc, du coup, après, quand vous refermez la boîte, vous coupez le carton est juste pour l'emballage. Après, vous avez la boîte. Vous voyez, elle est toute noire en bois. Comme ça. Voilà. Elle est jolie. Qu'est-ce qu'il mange? Oh, ah, t'as tout. J'ai fait des crocs, il doit rester un bout de collier sur la table. Quand j'ai essuyé la table, mais bon. Bon, j'aime bien. Ça prend un peu de place. Mais. Bon, je ne sais pas de ce qu'ils sont sortis. Moi, je n'ai vu qu'aujourd'hui. Il en restait deux dans le magasin. Donc, j'en ai pris un. Donc moi je les ai eus à Quévrechin, hein, là où j'habite. Donc voilà, je voulais vous les présenter aujourd'hui. Donc je vous ferai un coloriage dans la semaine pour vous dire ce que j'en pense. Et je verrai dans, ou peut-être dimanche, ou je ne sais pas, je ferai ça dans la semaine. Et donc, les références, elles vont du 100 au 167. Voilà. Oui, 167. Donc, je suis en train de regarder si j'ai marqué quelque chose. Un crayon de qualité supérieure avec une mine fine, texture douce et rendu parfait des couleurs. On verra. On fera l'essai et on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez les trouver à Action, donc c'est ça. Et ils sont donc dans, pas dans le rayon de, des peintures ou quoi que ce soit, ils sont dans le rayon du loisir créatif. Voilà, donc je voulais vous les présenter aujourd'hui, c'est chose faite. Je vous fais des gros bisous maintenant et on se retrouvera donc pour une vidéo pour faire un essai avec ces crayons. Très rapidement et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.